À quoi sert cette forme canonique Alors, cette forme canonique va nous servir d'abord à quelque chose de très très important pour le comprendre. Regardez ce que je vous ai écrit ici. Je vous ai écrit que la représentation graphique d'une fonction polynôme du second degré, donc une fonction polynôme du second degré, s'écrit comme ceci ou comme cela. Mais quand, dès qu'on reconnaît une fonction polynôme du second degré, on sait que sa représentation graphique est une parabole. Est une parabole. Alors cette parabole, vous la connaissez déjà. Une parabole, elle peut être tournée vers le haut. Elle peut être tournée vers le haut, comme elle peut être tournée vers le bas. Donc ça, c'est ce que j'appelle une parabole tournée vers le haut, et ça, c'est une parabole tournée vers le bas. Alors, si la parabole est tournée vers le haut, ici, on a ce qu'on appelle un sommet. Le sommet de la parabole, il est ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le sommet S. Si elle est tournée vers le bas, Ici, pareil, nous avons un sommet. Ça s'appelle un sommet. Dans les deux cas, ça s'appelle un sommet. Et puis ce sommet-là, donc ici, si vous voulez, nous avons un minimum et ici, nous avons un maximum. C'est normal. Quand la parabole est tournée vers le haut, eh ben, elle, fait, elle fait comme ceci et en bas, on a ce qu'on appelle un minimum. Quand elle est tournée vers le bas, elle est comme ceci et en haut, on a, on a ce qu'on appelle un maximum. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le sommet. Dans ce cas-là, le sommet est là et dans ce cas-là, le sommet est là. Et vous savez très bien qu'un sommet, ça a des coordonnées. Quand nous sommes dans un, dans un plan, dans un Repère orthonormé, d'accord Si on est ici, par exemple, si la parabole est ici, ce sommet-là, hop, il a des coordonnées. Il a ce qu'on appelle son abscisse, donc c'est ce qu'on appelle XS, d'accord Et ici, c'est ce qu'on appelle. YS, donc c'est ce qu'on appelle les, 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 les coordonnées du sommet. Donc XS et YS. Et en fait, la forme canonique va nous permettre de trouver très rapidement les coordonnées de ce sommet. XS, ce n'est rien d'autre que le alpha, et le YS, ce n'est rien d'autre que le bêta. Donc ici, le sommet, ici, dans les deux cas, que ce soit la parabole tournée vers le haut ou tournée vers le bas, et bien très simplement, quand on a trouvé la forme canonique, et bien ce sommet-là, son abscisse, c'est alpha donc son abscisse c'est ça c'est le xs d'accord et son ordonnée c'est le bêta donc ici bien sûr je vais marquer alpha puisque c'est l'abscisse du sommet et puis évidemment le l'ordonnée du sommet l'ordonnée c'est le bêta donc ici c'est aussi le bêta et le bêta ce n'est rien d'autre que ys c'est l'ordonnée du sommet et évidemment quand on marque les coordonnées d'un sommet c'est toujours avec un point-virgule ici donc voilà à quoi sert la forme canonique entre autres c'est d'être capable très rapidement en trouvant la forme canonique par la méthode 1 ou par la méthode 2 il n'y a aucun souci dès que vous trouvez le alpha et le bêta vous savez que c'est les coordonnées du sommet donc vous allez me dire mais comment je sais que la parabole est tournée vers le haut ou comment je sais que le parabole, la parabole est tournée vers le bas c'est une question très intéressante et très importante évidemment et ben il suffit de regarder la valeur de a vous avez ici la valeur de A, quand A est strictement positif, eh bien, on a une parabole qui est tournée vers le haut. Donc là, le A positif, on a une parabole qui est tournée vers le haut. Quand on a un A qui est négatif, eh bien, on a une parabole qui est tournée vers le bas. Donc là, il suffit de regarder la valeur de A. Si la valeur de A est positive, vous avez une parabole qui est tournée vers le haut, et donc le sommet, c'est un minimum, c'est un minimum, et les coordonnées du sommet, c'est toujours alpha, bêta qu'on trouve ici dans la forme canonique. Si... En revanche, le A est négatif, strictement négatif. Vous avez une parabole qui tourne vers le bas. Et dans ce cas-là, le sommet représente, si vous voulez, un maximum. Et toujours ce sommet-là, il a toujours comme coordonnées alpha et bêta. Voilà, vous savez tout sur la forme canonique. On peut se retrouver dans les exercices pour nous rôder et pour répondre aux questions de manière très efficace, très rapide et bien sûr très réfléchie. Parce que maintenant, vous avez parfaitement compris de quoi il s'agit. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflemate.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflemate.com.